Papillon et a mangé quelque part papillon. Oui, elle s'est mangée pour papillon. Bah oui. Et pour manger papillon. Oui. Venir avec papillon et mangé. Kitty. J'ai récupéré une vieille assiette que j'ai retrouvée dans le terrain, qui est encore en bon état. Des tuiles ici pour faire la clôture, je vous le présente tout à l'heure. Et puis j'ai récupéré ça aussi là. Donc je vais vous montrer à quoi je m'en servirai. Donc je voulais juste vous partager ça. Un tip tout simple, si tu es au milieu de nulle part que tu dois laver les assiettes, tu ramasses des trucs comme ça, des herbes sèches, voilà. Tu les plies entre elles, ça fait comme ça, et puis tu frottes avec. Ça enlève bien la saleté. C'est ce que je suis en train de faire là. Donc, je frotte et puis je te montre le résultat après. J'ai remarqué que quand j'arrosais et que l'eau stagnait un peu, comme là, le terrain en pente, il y a des papillons qui venaient nombreux s'abreuver. Donc j'ai décidé de leur mettre un peu partout. Oui, Longhi. J'ai décidé de leur mettre un peu partout des points d'eau. Parce que je pense quand même qu'ils ramènent un certain éco-diversité, hein, dans le potager. Voilà pourquoi j'ai créé le premier là, bien sûr toujours avec de la récup, hein. Attention Loli, merci. Ibi, qu'est-ce que tu fais? Tu marches sur mes légumes? T'as pas honte d'écraser mes carottes là? Et tu jettes des pierres sur mes légumes en plus? Ils arrêtent pas d'arracher les fleurs de mes œillets d'herbe, je suis désespérée. Bref, voilà pourquoi j'ai créé ça. Un mangeur à papillons, et Monsieur Long a eu l'idée d'aller prendre mes citrons déshydratés pour venir mettre dedans. Pourquoi pas, hein? Donc j'ai récupéré cette espèce de tuile là et l'assiette là que je viens de vous montrer. Laver, j'ai mis de l'eau. Et là, ils viennent de partir, mais il y en a déjà un qui a repéré, qui vient tourner autour. Je pense que d'ici quelques minutes ou quelques heures, merci Monsieur Long pour ta tête, il y en aura plusieurs qui vont venir. Voilà. Bon,
Allez, on va vous faire un petit tour du potager tel que c'est aujourd'hui, puis on fera un autre. De l'eau. De l'eau? C'est pour qui de l'eau? De l'eau. C'est pour qui? De l'eau. Hmm? De l'eau de papillon. De l'eau de papillon? Et oui. Qu'est-ce que tu as mis dans l'eau de papillon? Oui. T'as mis oui? Oui. D'accord, bon, ben, j'espère que papillon il sera content de manger oui. Hein? Faut qu'on nettoie encore un peu ici. Mais il y a le soleil, on va rentrer à la maison, d'accord? Oui. Le soir, on va revenir, ok? Oui. Ok, tout est d'accord alors. Tiens, Libby. Maman aussi glace. La recette arrive. Pendant ce temps, c'est ici que je fais la vaisselle. Et le monsieur, il est quand même gentil, quoi. Hein? Monsieur, mon mari, il m'a sorti la vaisselle, la lave-linge. Non, mais... Ah, papa, t'inquiète pas. Je vais être en force, là, quand tu vas venir. En force. Ah, ben oui, je serai moins fatiguée. Tu crois quoi? Langui, ferme les portes, les sauces charrières commencent, personne ne doit rentrer encore. Moi là vraiment, laissez-moi tranquille. J'ai dit, hein, c'est quoi votre histoire?
Voilà. Vos conneries, là, je ne veux pas en entendre parler. La petite assiette est là. Mais j'ai mangé dans la grande assiette et je vais tout finir. Hein. Qui t'a dit même que t'es invité? Est-ce que moi, je t'ai invité ici? Là, tu as menti. Personne ne t'a invité aux personnes. Prends mes citrons. Aujourd'hui, là. Bon, je vais seulement aller m'asseoir par terre. C'est tout. Je m'assois par terre et j'ai mangé mes mains. Mes doigts. Hein? En tout cas, j'ai dit que, hein, on n'a qu'à grossir. Si on va grossir ici, on va grossir, mais je préfère manger ça. On va pouvoir se mettre à l'ombre. Ah ben oui, attends. Pour le reste, là, vous vous démerdez. Moi, j'ai déjà commencé. Au fait, là, je fais semblant de dormir pour que eux s'endorment, pour que je travaille maintenant. Je vais travailler pendant 2-3 heures. En fait, quand ils dorment, quoi. Je bosse et puis le réveil, quoi. Le sable, c'est infaillible. Ça marche toujours bien. Ouais. Je me demande comment est-ce que Livia a fait pour monter jusque là-bas. Sauter. Ça, c'est mon activité favorite du moment. Je m'allonge comme ça sur le trampoline à l'aise. Et je les fais sauter. Ça détend. Sauter. Mais revoici le soir. On va faire un petit tour de potager. Hein? Je rappelle quand même qu'on avait acheté un terrain bourré de déchets. Qu'on est en train de totalement vider. Ça, c'était l'ancienne cabane de jardin qu'on utilise encore. Et puis, quand on va enlever ça, quand on mettra la vraie cabane ici quelque part, on enlèvera ça. Il y a le bidon là qu'on va récupérer. Ça, ça disparaît demain. Hein. Tata a fait du super boulot. Il est en train de tout trier. Ça, il faut que ça disparaisse. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire. C'est rempli d'huile, je ne sais pas quoi, mais bref. Enfin, voilà. Hein. Ils ont même réquisitionné mon bonhomme pour mettre leurs déchets là. Hein. Je vais les frapper. Oh là 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 là. Bref, je vais le remettre là. Je vais le remonter là-haut après pour y mettre mes fleurs. Donc, ça, c'est la partie, au fait, qui va vers l'étang qui est là-bas. Tu vois, il y a l'herbe qui a poussé. On a divisé le terrain en deux. Cette année, on s'occupe que de cette partie, au fait, potager jusqu'à la maison. Et l'année prochaine, on fera l'étang. Donc ça, en automne, ça va. Les herbes, là, vont sécher. Je pense que c'est là qu'on va débroussailler pour qu'on puisse, même voir au printemps, commencer un peu à s'occuper de l'étang. Voilà, les pneus, là, on va récupérer. Je pense que je vais en faire un cabane. Justement, comment faire la cabane de jardin. On va voir, hein. Voilà, plutôt que de racheter du parpa. Donc là, on arrive au potager. Je te donne un petit aperçu. Voilà. Hop. Ça, c'est les arbres secs qui vont tomber là. Parce qu'ils sont très, très dangereux. Et donc là, j'ai mis une espèce de petite clôture là. Là, il y a plein de trucs de planter. D'accord? Ça ne pousse pas encore. J'ai passé tout le mois de fin mai, juin, à faire que ça. Que ça. De la plantation. C'est pour ça que j'ai un peu disparu de YouTube. On a stoppé la maison pour faire le terrain, pour faire la clôture, pour faire le potager, parce que y a des priorités. Voilà. Donc, là, il y a pas mal de trucs, là. Il y a des aromatiques. J'ai rajouté des carottes, j'ai rajouté des haricots hier, donc ça pousse pas encore. J'ai rajouté des panais, j'ai rajouté un million de choses. Voilà, là au fait c'est là où il y avait le tas de paille que j'ai utilisé pour mettre partout, et c'est l'endroit où l'ancien propriétaire mettait son compost, donc c'est un endroit qui est très fertile. Donc j'ai mis les choses là, on va voir. Faut dégager tous les déchets qui est encore là-bas. Ok, donc hop, ici j'ai commencé une butte de permaculture. Alors, la maman de mon mari, hein, ma mère m'a appelée pour me dire, oui, tu sais ma fille,
Là où tu plantes pas encore là, prépare déjà pour l'année prochaine. Tu prends du bois, tu mets. Tu prends de la paille, tu mets. Ou des feuilles mortes, tu mets. Tu prends de la tente fraîche, tu mets. Et après, tu prends de la paille, tu recouvres encore. J'ai dit, maman, ça ici, on appelle ça permaculture. Elle m'a dit, perma quoi? J'ai dit, permaculture. Elle dit, en tout cas, vous là en Europe, vous vous ennuyez, vous aimez inventer des noms. Voilà, il est 23h. Papa est parti dehors chercher. Je la vois plus. Ici. Je la vois plus dans la caméra. Elle est où? Ah, tu t'es rapproché. Mais bouge comme tu bougeais avant. Éloigne-toi. Je pense que c'est pas. C'est bon, hein. Ah, voilà. Là, c'est bien. Voilà. Bouge doucement. 23h là, papa a ramené une luciole. Venir réveiller les enfants pour leur montrer la luciole qui fait la lumière. J'espère que vous la voyez. En tout cas, allume un peu. Je peux le voir, c'est un petit insecte. Ah, je le vois très bien là. Libby, arrête de bouger la caméra. Bref, tu viens traumatiser. Va le rendre, remettre le rat dans la liberté. Je tiens ici. Je ne sais pas si tu piques et toi tu tes allergies. Ah non, 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 Libby. Ça c'est quoi? Attends, mets comme ça. D'accord? Mets comme ça. Ok. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est le chien. Comment il fait le chien? Qu'est-ce qu'il dit le chien? Qu'est-ce qu'il dit Yobo? Yobo il dit quoi? Wouhou. Wouhou. C'est quoi? C'est le cheval. Le cheval. Le cheval est fait. Quand tu seras grande, tu regarderas cette vidéo, tu diras ta maman, elle était conne. Hein? Cosquillas. On va faire dodo maintenant. Dodo pipi. On doit travailler maintenant. D'accord chérie. Tu as fini de lire le cheval? Ici lit. Le va ici lit cheval. Ici lit. Bijou. Qui me kiss? Ah, ici lit, il aime jeter les choses. Voilà, bravo. Qui me kiss? Qui me kiss? Qui me kiss? Oh. Give me a kiss. Oh. Give me a kiss. Another baby.